Bonjour à vous. Hier, j'ai enregistré un texte qui s'appelle Notre-Dame et qui fait état en fait du feu qui transforme, qui purifie et de faire de nous des phénix. Ce matin, j'ai enregistré la présentation puis la pratique de la salutation au soleil. Et juste après, comme je le fais maintenant tous les jours, j'ai ouvert un livre au hasard, voilà, pour prendre la pensée du jour dans ce qui vient et j'accueille. Et c'est le livre de Omram Mikhaïl Ivanov que j'ai là sous les yeux. C'est tiré du livre qui s'appelle Le rire du sage. Et je vais vraiment vous faire simplement la lecture de ce sur quoi je suis tombée. Vous devez toujours avoir dans votre pensée une place pour les autres, en sachant que chaque fois que vous ne vous efforcez pas d'agir aussi bien que vous le pourriez, il y a quelque part dans le monde quelque chose qui se trouve obscurci. Et, entre guillemets, bien agir ne signifie pas nécessairement apporter une aide matérielle, non, mais pensez aux conséquences que vos pensées, vos sentiments, vos actes, vos intentions peuvent avoir sur les êtres. À quoi sert de donner une somme d'argent à quelqu'un si à côté, par vos suggestions, votre comportement, vous l'amenez à dépenser cet argent d'une façon qui lui sera en fait préjudiciable? En vrai, il y a tellement de solutions pour aider les humains. Et ce sont ces solutions que vous devez trouver, en sachant que rien de ce que vous faites de bon n'est perdu. Et surtout, une fois que vous l'avez fait, n'y pensez plus. Et surtout, n'attendez rien. N'attendez rien en retour. Soyez comme le soleil qui éclaire, chauffe et vivifie toutes les créatures. Il ne se demande pas si elles en éprouvent de la reconnaissance. D'ailleurs, la plupart ne sont même pas conscientes de ce qu'elles ont reçu. Alors agissez seulement parce que vous sentez que c'est bon et utile. N'attendrez rien en retour et vous vivrez dans la liberté, dans la lumière, parce que le soleil vous aura marqué de son sceau. L'amour est cette capacité d'arracher de nous-mêmes ce qui nous est le plus cher et de le donner. Mais cette qualité se manifeste rarement. On voit plutôt des êtres occupés à se battre pour conserver ce qu'ils possèdent et pour s'emparer, s'ils ne le peuvent, de ce qui appartient à d'autres. Est-ce bien raisonnable de perdre tellement de temps et d'énergie alors que bientôt on sera obligé de tout laisser? Eh oui. Un jour, la mort arrive, et que l'homme le veuille ou pas, d'un seul coup, elle le dépouille de tout. Alors pourquoi n'a-t-il pas appris à donner avant l'heure de la mort? À ce moment-là, bon gré, mal gré, il abandonne tout. Seule reste la lumière et la joie qu'il a acquise en sachant donner. C'est dans le travail désintéressé qu'est la vraie vie, cette vie intense qui, même au milieu des fracas de la terre, nous maintient liés au ciel. Quand vous êtes sûr de travailler pour une cause juste et noble, rien ne doit vous en détourner, ni les moqueries, ni les critiques qui, bien sûr, ne manqueront pas de se produire. Si, pour agir, vous vous fiez à l'opinion des autres, si vous attendez leur approbation, vous ne ferez pas grand-chose. Et puis, ils sont tellement changeants. Un jour, ils vous approuvent et quelque temps après, on ne sait même pas pourquoi, ils vous critiquent et se détournent de vous. Il y a dans l'existence des périodes de succès où on est reconnu, apprécié par les autres, et puis d'autres périodes arrivent où on peut être mis à l'écart. Si on n'est pas habité par l'idée de l'amour, du travail désintéressé, on risque alors de tomber dans le découragement et l'amertume. Mais si on connaît la loi, on se dit: j'ai fait un travail dans le passé et, en le faisant, j'y ai gagné certaines qualités. Maintenant que les conditions sont nouvelles, je dois certainement faire un autre travail pour développer d'autres qualités. Et c'est ainsi que vous restez maître de la situation. En chaque circonstance, cette lumière vous permet de sortir vainqueur des difficultés et des épreuves, parce que vous savez garder votre volonté et votre détermination intactes, c'est-à-dire l'essentiel. Même dans les conditions les plus défavorables, il ne faut jamais perdre une occasion de faire le bien. Grâce à ces efforts, grâce à vos efforts, un chemin s'ouvre dans votre cœur et dans votre âme. Et ne vous contentez pas trop vite de ce que vous avez réalisé, parce qu'il faut du temps, beaucoup de temps, pour transformer les désirs du cœur en les consumant au feu du sacrifice, comme le charbon que l'on fait brûler devient flamme.